Un jour je fais perdre l'amour de ma vie et ma vie aussi. Je fais perdre l'amour de ma vie et ma vie aussi. Elle avait chopé le sida, une maladie grave, maintenant elle est guérie. Mais le sida ne se chope pas que le coup de quelqu'un. Des fois une poignée de porte stupide, derrière un séropositif. Un bisou en échange de l'hiver, un mégot de clope. Ça suffit pour choper cette merde. C'est une grosse merde, là, c'est sûr. C'est une grosse merde à soigner. Ils arrivent pas au jour d'aujourd'hui parce que c'est les ânes. C'est les ânes, c'est pas les ânes que j'élève dans la famille. La régénération cellulaire par des ânes, bien sûr que c'est possible. Ça date pas d'hier, les choses datent pas d'hier. Bien sûr c'est possible, ça devrait être utilisé depuis toutes ces années. Toutes ces années, ça devrait être étudié, étudié, étudié. Faut revoir, ça revoir, c'est revoir sa langue. Revoir sa langue, revoir sa langue correctement. Avec tout ce qui s'est passé en grec, on dirait que le français est écrit par les illettrés. J'ai un franc et des français avant tout. Y'en a deux qui valent pas de France. L'histoire avec tout ce qui s'est passé, le marqueur indélébile qui est le passé qu'on pourra jamais passer, qu'on pourra jamais gommer. Un jour on demandait, papy, comment tu fais? Au France, je me suis jamais aimé. Papy, au moins de l'hébreu correctement prononcé. Le bon Dieu chez eux en quelque sorte le nom d'un bi et le nom d'une fille, madame des filles, madame des filles, me manque à en crever, me manque à en crever. Mais avant que le diable te tombe sur la tête, monsieur le petit curé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à bien vous soigner. Avec tout ce qui s'est passé, le marqueur indélébile qui est le passé. Disons que si qu'on pourra jamais passer, qu'on pourra jamais gommer, le passé te rattrape tous les jours te rattrape, tous les jours te rattrape, tous les jours te rattrape. Il faut faire avec, bien sûr il faut faire avec. Il faut des fois tourner la page, mais pour tourner la page, moi il faut quelqu'un dans ma vie. Défi, défi, défi. Ah c'est sûr, combien de fois je suis atterri à l'hôpital avec ces conneries. Et quand j'ai reçu une balle dans la gorge que j'avais atterri en Occitanie. Je suis atterri en Occitanie, ils en avaient rien à branler. Ils en avaient rien à branler, ils m'ont laissé rentrer chez moi. J'en avais perdu la voix pendant 3 jours. Pour 3 ou 4 jours j'avais perdu la voix. Ils m'ont filé des médicaments de mes couilles. Mais c'est pas ça qui m'a soulagé. Heureusement qu'elle a été soignée. Et encore heureux qu'elle a été soignée. Je suis resté un an sans marcher, un an sans marcher, un an sans marcher. Ouais, je suis resté un an sans marcher. Fauteuil roulant, un an, dans 6 mois, dans un lit avec des poids, un an sans marcher. Comprenez pas d'où ça venait, il me passait des IRM, des machins, des conneries. Comprenez pas d'où ça venait, mais j'ai un double, mon sein m'a crevé, mon double c'est une femme. Des défiants, ça a toujours été marqué comme ça. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice. Notre souffrance, la souffrance de tout combat. Nous ne pouvons pas perdre. Ils me tortureront, me frapperont. Ils briseront mes membres. Ils me tueront peut-être. Alors, c'est mon cadavre qui leur appartiendra. Et non pas mon obéissance. Parce qu'il voulait partir au Canada, avait pas tout là, son vœu le plus cher, il n'a pas pu exaucer. C'est pour ça que mes rêves sont devenus réalité. La triste réalité, on se demande pourquoi l'Union a été fondée à protéger des fascistes. Ah, c'est sûr, on s'en prend le petit nombril, on s'en prend le petit nombril. Ah, c'est sûr, là, ils en parlent aux infos, ils en parlent aux infos. C'est le syndrome des Pinocchio, ils parlent de ce qui les arrange aux infos. Ils devaient manipuler la population, à bon escient, à bon escient, on manipule la population, à bon escient, les choses datent pas d'hier. Ah, c'est sûr. Qui dit des choses peut-être vexées, mais c'est la triste réalité. Quand Jésus-Christ, il a péri dans l'anse d'un dé ou d'un jus, c'est comme vous voulez. Ça dépend comment tu veux le traduire, le mot jus. Le mot jus, ça s'écrit sans S qu'on a. Ça s'écrit sans S qu'on a, le mot jus vient du mot latin dé. Le mot latin dé, du mot latin dé. Dé qui veut dire jus d'ailleurs. Mais les légendes de Fadé ont été oubliées. Les légendes de Fadé ont été oubliées. Quand tu dis Fadé, quand tu commences à dire un Fadé, un petit curé, les chevilles commencent à trembler. Les chevilles commencent à trembler. Quand tu dis Cadé, oula, il va te dire, oula, il va te dire Jésus-Christ, je vais couler sur nos croix, c'est pas pour les chiens, c'est pas pour les chiens, il me servit d'exemple dans l'histoire, des exemples. Apparemment, il faut en faire pour avancer, apparemment, il faut en faire pour avancer, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, mais il faut en faire pour avancer, pour en faire pour avancer. J'en dis pas deux, c'est pour les contes de fées. On dit pasé, pasé au moins du grec correctement prononcé. Avant que le zèle et le réel te tombent sur la tête, monsieur le grec, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bien vous soigner, à bien vous soigner. Présenter pasé des rats, pasé des rats, pasé des rats. Je dis bien des rats. Et non, des rats, des rats. Ils déforment la langue, ils déforment la langue. Il y a ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin, ils déforment la langue, la réalité, la triste réalité. Les gens de famille en Bretagne ont été oubliés. Peut-être qu'ils auraient prié le bon famille en Bretagne. Peut-être qu'ils seraient parés. En tout cas, ils ont prié le bon paré. Ils ont prié le bon paré. Ils ont prié le bon paré en Égypte. Ils se sont barrés. Ils se sont barrés. Ils se sont barrés. Ils se sont barrés.
c'est sûr, une lance qui dépasse de maquin, la cage thoracique explosée. Un coup de tonnerre dans le ciel, la cage thoracique explosée. Tu crois qu'on joint ton Jésus-Christ va revenir à la vie. La cage thoracique explosée par un dé, paf pas dé en personne, paf pas zé, paf pas zé. Tu crois franchement tu vas revenir à la vie. La cage thoracique explosée par un djou, paf pas djou en personne, paf pas djou en personne. Qui a servi d'exemple dans l'histoire parce qu'il a inventé des conneries comme le pinard, l'héroïne, et comme le pinard, l'héroïne et le reste des conneries qu'il avait fait. Là, ils ont payé, ils ont payé le châtiment le plus exemplaire. C'était pas pour les chiens, c'est pas pour les chiens, mais encore, aujourd'hui, crucifier quelqu'un sur quoi, ils arriveraient pas à lancer une lance depuis le matin, ils arriveraient pas. Ouais, mes gardiens peuvent le faire, à la limite, Ah, c'est sûr, des légendes qui ont été oubliées, j'ai peut-être plus le pouvoir du monde éveillé aujourd'hui, mais je te garantis qu'ils font pas les malins quand je dors. Mais des fois, ils me laissent dormir parce qu'ils ont peur, sûrement du bon Dieu, quand le truc me tombe sur la gueule, et sûrement je veux plus rien savoir avec tout ce qui passe et tout ce qui t'est passé. En tout cas, c'est un hommage à ma cité, le surêtre que j'ai représenté, avec tous mes défauts et toutes mes qualités,